invoquer les diablotins. Voilà. Les qui se ritent entre eux, d'accord. Les qui se ritent entre eux. Bon. Il m'a fait flipper. Donc, talisman de lama sculpté. Augmente grandement la puissance des sorcelleries. Oh merde! Ah bah oui, bah d'accord, ok. Ok, très bien. Ah oui, alors là, ça, ouais, ça va forcément être utile. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais me téléporter, parce que... Donc, il faut que je retourne ici... Non, je vais pas me téléporter, parce que vu que j'ai tué tous les ennemis de la zone, en fait, j'ai plutôt intérêt à continuer. Et pour récupérer ma vie, en fait, je vais mettre ça en... Je vais mettre ça et je vais mettre la dépouille royale hein, en fait. Hein. Non, c'est pas lui. Oh là, la dépouille royale. Où est-il? Où es-tu, la dépouille royale là? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Voilà. Je mets ça, comme ça je récupère de la vie. Ok. Donc... C'était là où était la branche, hein, voilà. Alors par contre, je vais bien truquer, ouais. Je vais bien me coller au mur. Voilà, et longer. Ouais, parce que ça aussi, hein, c'est une erreur à ne pas faire. Hein. C'est-à-dire, quand on n'a plus beaucoup de ressources comme moi, le premier truc, c'est de se dire, attends, je retourne au... au site de grâce, comme ça je me ressource et j'y retourne, mais non. Non, non, là justement, faut que j'en profite, vu que j'ai tué tous les ennemis de la zone, et qu'il n'y a plus rien, ben, j'utilise le talisman et l'équipement qui me redonne de la vie. Voilà. Et après, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Et donc là, si c'est un chemin de non-retour, bon bah ben, écoute, au moins, j'aurais exploré. Et là, j'aurais une raison...
inévitable de me TP et refaire vivre les ennemis. Mais de toute façon, si j'y vais, ce sera pas au même endroit. Alors, déjà là, toi, tu m'intéresses. Très bien. Alors, je suis où? Ah, ben voilà. Je suis exactement là où je voulais aller, à savoir à l'arbre en question. Ah non, il va pas me casser les noix, lui. Alors, par contre, donc il y a forcément un avatar putride dans le coin. Et là, j'ai pas assez de ressources. Il est là. Et là, j'ai pas assez de ressources. Tu sais quoi? Je vais faire un petit coup de Trafalgar. Je vais faire un petit coup de Trafalgar. Est-ce que je suis arrivé là? On est d'accord, hein? Je suis arrivé là. Très bien. Non, mais vous, cassez-vous! Mais cassez-vous! 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 Là, ils sont insaisissables là. Et t'attaques pas, c'est. Tu sais pas. Voilà, crève. Les coups de Trafalgar que je vais faire ça. 175 heures de jeu. Ça fait plus de 2 mois que je suis sur le jeu, je l'ai pas fini, alors je suis au boss de fin. Mais évidemment, j'ai fait demi-tour. J'ai beaucoup hésité à lancer le New Game Plus ou continuer à explorer et. J'ai finalement opté pour continuer à explorer du mieux que je le peux. Parce que certes, mon but final est d'avoir le perso à fond, à 99 partout, mais le problème c'est que... Ouais, je vais rester comme ça, ouais, quoique... Non, je vais pas rester comme ça. Donne-moi de la vie. Donne-moi de la vie. Donne-moi de la récup de stamina. Et en dernier lieu, donne-moi ce qui augmente la puissance des incantations. Quoique, ça, la tortue, j'en aurais peut-être pas besoin là, pour ce combat-là, parce que lui, je le spam à distance en fait. Donc je vais pas le faire au cheval, hein, je vais le faire. Et c'est vrai, je peux invoquer, et je vais en profiter pour invoquer. Merde! Putain, le con! Le con! Putain, le con! Le con, le con! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave. Ouais, de toute façon, ouais, c'est bon, j'ai fait assez de dégâts. Là, je suis assez loin, même pour son troisième coup. Non, j'étais pas assez loin. Il fait sa super attaque. Gaffe hein, quand même. Ah et lui c'est en plus c'est du celui qui fait de la putréfaction. Ah putain ça me touche jusqu'ici. Ouais. Je vais recourir là-bas. Ok, donc c'est pas moi qui vise. Et le troisième coup. Voilà, garde la pêche. Ah ouais, 192 000 runes, très bien. Alors, lame fissurée épineuse, hein. Et cristal fissuré. Donc, lame épineuse, hein.
Tazufel augmente progressivement la puissance des attaques successives. Oh, ça c'est bien pour des armes orientées Dex. Et cristal fissuré déclenche une explosion. Jamais testé ça. Et là, il y a, ben, à part le visuel, il n'y a aucune différence entre les deux. Alors, ok, donc là, vu que je peux passer un niveau, je m'équipe de la branche sacrificielle, comme ça, au cas où je meurs, ben, je perds pas mes runes, je perdrai que la branche, hein, d'où son nom. Donc là, c'est bon, l'arme mineure est marquée. Et là, je regarde aux alentours s'il n'y a pas quelque chose. Bon, on est face encore à une exploration qui paye, hein, évidemment, hein, c'est Elden Ring, hein, ce jeu est comme ça. Et c'est très bien. Par contre, je n'ai toujours pas pu commencer ma vengeance envers les géants, mais bon, tranquille, hein, ça va arriver. Un peu de patience, hein, je suis pas pressé. Là, je joue de mon expérience, hein, sur ces jeux-là. Hein, là, tout ce que j'ai fait, hein, ne pas revenir au site sacré pour pas faire réapparaître les ennemis. Bon, là, évidemment, ils ont réapparu, hein, forcément. Bien géré face à un ennemi que je connais. J'aime bien me friter contre eux. Fut un temps, ils étaient très durs, mais là maintenant, là c'est bon, là je les connais, je sais comment les appréhender. Alors, ok. Donc là, ici. C'est bien, il me redonne mes ressources. Oui, quand on est en exploration dans le monde ouvert, il faut pas hésiter à tuer un peu tout ce qui bouge, hein, pour récupérer ses ressources. Et là, vu qu'il y a un corps de libellule, c'est de là d'où je viens. Voilà, tout simplement. Ok, donc là, je peux avancer tranquillement. Et donc oui, je disais que en fait j'ai beaucoup hésité soit à lancer le New Game Plus et de bombarder jusqu'au New Game Plus 7 et de tout explorer en New Game Plus 7, ou soit continuer à explorer. Et je me suis dit que au final, quand même, le plus important, c'est d'explorer le jeu à fond. Alors je sais pas si je ferai tout à 100%, mais là quand même j'ai fait énormément quand même. Et je pense que ça reste quand même le plus important parce que le problème des New Game Plus, c'est que le jeu est nettement plus difficile, quoi. Et des fois, ça peut poser problème sur certains boss, hein. Ou même certains ennemis, hein. Ah, au moins, eux, leur poison ne fait pas de dégâts. En fait, eux, c'est juste ça qui est chiant, c'est quand ils sont à plusieurs, en fait. C'est juste ça en fait. Quand ils sont un contre un, c'est pas un problème, mais quand ils sont à plusieurs. Donc oui, hein, donc je pense que le plus important quand même, c'est d'explorer un max. C'est d'explorer un max. Là, il y a encore un scarabée, hein. Et là-bas, là, il y a l'air encore d'avoir des trucs. Alors après, ça rejoint. Non, non, non. Ouais, si, si, si. Si, 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 si. Ça a l'air croustillant. Ça a l'air croustillant, là. Tout ça, là. Ah, il y a encore la foudre qui s'abat. Alors, attends. Déjà, j'ai vu le scarabée. Ah, il y en a plusieurs. Attends, non, lui, il n'est pas de la même couleur. Il est fini, hein, le temps où je l'ai one shot. Hein. Il est fini ce temps-là. Hein.
Ouais, il fait le Tienzan. Je l'ai cette incantation là. Le Tienzan. Alors, ouais, je vais récupérer ça. Je vais récupérer. Ah ouais, il est vraiment fini hein, le temps où je l'ai one shot. Hein. Voilà. Je vais le faire tomber, c'est encore une pierre de forgeur à mon avis. Il m'est tombé dessus, il m'a fait des dégâts le salaud. Ok, c'est bien, là je suis bien ressourcé. Hein. J'avais même pas besoin de la mana là, j'aurais dû la consommer avant d'y aller. Alors j'ai bien vu que ça se passait derrière moi, hein. Je l'ai très bien vu mais... Ok, je l'ai très bien vu que ça se passait derrière moi. En tout cas là, sur la droite... qui me crache dessus là. Il est où? Ah ouais, d'accord, ok. Contre vous là, j'ai envie de reprendre mon set de sang là. Dans les fesses. Putain, comme par hasard, tu tapes au moment où je tape. T'as même sans le serment doré, je vous défonce quoi. Ça m'étonne qu'il y ait rien là. Donc ça là, le mélange miraculeux que j'ai looté tout à l'heure là, qui redonne de la vie aux attaques successives. Attends, faudrait que je revoie le truc. Parce que ça peut se coupler avec un talisman, ça peut être pas mal. Hein. Ah, ça l'a pas stoppé. La puissance des attaques successives, ouais. Donc, il y a couplé à un talisman, à deux talismans, un talisman qui augmente la puissance des attaques successives et un autre talisman qui redonne de la vie lors des attaques successives. Ça doit être parfait pour des armes orientées dex. Alors, ouais, ici, je m'en rappelle, ici. Ouais, ici, ouais, très bien. Je suis juste au-dessus de cette grotte-là, là, que j'ai faite tout à l'heure, ok. Sauter au bon moment, le salaud.
5000. Hein. Ici, là, c'est Xilomid, là, il donne 5000. Hein. Deadbinner, Ok. Très bien. Donc là, maintenant, je vais aller là où ça avait l'air intriguant, là, à savoir. Alors attends, non, je vais remonter. Attends, d'où ils sortent? Que là je connais là. Donc là je veux remonter là. Donc là mon prochain point je vais le mettre en intelligence pour pouvoir porter la Moonlight. Qui m'a l'air d'avoir les mêmes soucis de précision qu'une arme d'estoc. Ça, c'est honteux. Hein. C'est pas possible. Hein. Faut vraiment, vraiment, vraiment que From Software ils arrêtent avec ce moteur-là et qu'ils mettent un peu plus d'ambition technique hein, dans leur jeu. Mais vraiment un tout petit peu plus. Hein. Je demande pas hein, que les jeux graphiquement soient aussi beaux que Horizon. Non. Mais au moins techniquement, graphiquement, que ce soit mieux, parce que là c'est pas possible. Là, il y a des gros problèmes de précision là. On est en 2022 les gars, on est sur PS5 hein, en 2022 et quand je fais une contre-attaque des stocks sur un ennemi qui est un peu trop bas, ben, ça le touche pas et il ne le vise pas. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Ordina cité liturgique. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là encore? Qu'est-ce que c'est que ça encore? On peut pas rentrer par là. Ok. Donc là, elle est apparue, là, la ville. L'exploration dans ce jeu est complètement dingue. Complètement dingue l'exploration dans ce jeu. Enfin, un site de grâce. Hein. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu là. Bon, ben, au moins, voilà. Comme ça, cet endroit-là, au moins, il est tagué, il est marqué. C'est de ouf. Hein. C'est de ouf. C'est de ouf. Ah, ça ne s'arrête jamais. Alors. J'ai envie de tester ce truc-là avec mon arme d'estoc. Alors, si je mets améliore temporairement et lui réduit considérablement. Alors, je vais mettre lui. La puissance des attaques successives. Les attaques chargées. Les chances de briser la posture des ennemis en attaquant. Ok. Donc, les attaques successives. Ok. Et je vais le coupler avec. Les attaques magiques, attaques de feu, attaques de foudre, attaques sacrées, ça on a vu. La charge d'équipement, j'en ai pas besoin. Non merci, ça non plus. D'ignorer toute consommation de PC. Dans une fête déclenche une explosion. Je sais pas c'est quoi ça. C'est marrant ça. Ben, je vais tester hein. Et je vais tester avec lui, la spirale sanglante. Donc je vais remettre mon bouclier visage. Alors, est-ce que je pousse le roleplay à fond ou pas? Est-ce que je pousse le roleplay à fond ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je mets le set du noble sanglant ou pas?
C'est ça la question, tu vois. Est-ce que je vais repousser mon délire de roleplay ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'utilise ça, j'aurai moins besoin de fiole de mana. Ouais, je vais mettre à plus 3 au cas où si je dois faire une invoque. Allez, allez, je vais pousser le roleplay. Je pousse le roleplay. Je suis là pour ça. Donc je vais mettre le set du noble sanglant. Voilà. Non. Non, là c'est le sanctuaire. Mais non, 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 là ça devient trop lourd là, attends. Mais attends, je le vois pas là. Septième ligne. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non mais c'est de ouf. Je vais pas passer mon temps, attends, attends, attends. Il en a un, je l'avais tout à l'heure. Non mais je suis vraiment en train de perdre du temps à chercher un brassard. Des gants là, là, là. Je suis vraiment en train de perdre du temps à faire ça. Non, c'est pas noble putréfaction, yeah, mais c'est incroyable ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'avais mal lu en fait. En fait, il a pas de gants, hein, je crois. En fait, dès que j'ai vu noble, j'ai cliqué. Mais c'est pas le bon. Il a pas de gants, en fait, tout simplement. Il a pas de gants. Donc vu qu'il est tout noir, ben on va prendre un truc tout noir, hein, voilà. Hein. Donc là je fais le roleplay, hein. Je mets le noble sanglant, mais ça me surprend, il me semblait, ouais bon bref, laisse tomber. Avec donc améliore les contre-attaques d'armes des stocks, ok. Ensuite, donc là les talismans, donc comme j'ai dit, il y en a un qui améliore. Au final des enchaînements d'attaques. Alors attends. Non, il était vers le bas. Voilà, restaure des PV lors des attaques successives, tu vois. Et je vais le coupler avec. Augmente la puissance des attaques successives, tu vois. Je vais essayer de faire un mix de tout ça. Et je vais remettre des PV. Alors attends, je vais aller plus loin dans le délire. En fait, je vais remettre des PV à chaque ennemi vaincu. T'as vu? Et je vais me remettre des PV quand je contre-attaque un ennemi. Ok? Voilà, on va faire un mix comme ça. Ça devrait être bien. Ça devrait être bien comme ça. Ok? Bon, là, je sais pas du tout ce qui m'attend. Donc, du coup, je vais couper.